un échec, le Stade Malien de Bamako, 1-0 pour le score final de cette rencontre. 11 gratteurs de Niarela, Stade Malien de Bamako, 1-1. Match nul. Et puis en deuxième rencontre, le CSK a été battu par le club olympique de Bamako, 1-0. Dimanche, quelques matchs sont au programme, notamment 5 rencontres qui sont au programme dimanche, avec déjà 2 au Stade Mansour Boulibé qui est à Bamako à partir de 17h. Le Djoliba qui affronte l'ASCO. Juste après cette rencontre, à partir de 19h, l'AS Real sera face à l'ASB. Et puis, dans le même temps, à Koulikoro, le CS Dougolo Blanc reçoit le Stade Malien de Sikasso. Pendant qu'à Sibou, l'AS Bakarjan joue contre l'AS Police. À Koulikoro, le Sigui jouera contre l'Assom. Et lundi donc, à Kay, j'allais dire, à Kay, le Sigui qui joue contre l'Assom par Koulikoro quand même. Parce que le Sigui n'est pas Koulikoro. J'ai rectifié, bien entendu. C'est à Kay que le Sigui reçoit l'Assom. Enfin, le dernier match de cette 14e journée du championnat national de Ligue 1 se joue lundi au Stade Mansour Mouribé qui était de Bamako entre la Jandark et le Nyanan de Koulikoro. Il n'y a pas que le championnat national de Ligue 1 chez les hommes, mais il en existe également chez la femme, dont la première journée a été disputée et a donné les résultats suivants. L'AS Badima a été battue par FC Amazon 3-0. Et puis, ça, c'est dans la poule A, parce que là, c'est quand même. La poule B et la poule A, hein. Ça c'est dans la poule A. Donc Mali Sadio a été dominé par l'AS Mandé sur le score sans appel de 12-0. L'AS Sirène a été battu par l'Espace 6-0. Dans la poule B, l'Alliance a dominé Amazon FC par le score de 5-0. Et puis l'AS Real, plutôt par le score d'un but à 0. Et puis l'AS Real Baptiste Santoro 2-0. Super Club a été dominé par les Super Lions d'Amdalaye par le score de 3-1. La deuxième journée est prévue demain, samedi. Dans la poule A, il y aura Mali Sadio qui jouera contre l'AS Badima et les FC Amazon qui seront face à l'AS Sirène. Yes, face à AS Mandé. Dans la poule B maintenant, il y aura les oppositions AS Real Alliance, Amazon Super Club et Super Lyon qui sera opposé à Santoro FC. Du football au féminin avec les Aiglons footballeuses, c'est-à-dire l'équipe nationale dames dans la catégorie des juniors qui s'est qualifiée pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique Ouzbékistan. 2012, au match retour, les nôtres sont allés gagner en Guinée équatoriale par le score de 2-1 déjà au match aller. Elles avaient gagné par le score de 4-0 ici à Bamako. Le compte rendu du match retour, c'est avec Assassou Marie. Pour ce match retour, les filles du président Sahal Ababi avaient à cœur de profiter du faux pas des Équato-Guinéennes battues lors du match aller 4-0 il y a 2 semaines à Bamako. Les Aiglons footballeuses ont rempli leur contrat en battant la Guinée équatoriale 2-1. Les nôtres, dès les premières minutes, montrent leurs prétentions et vont mettre la pression sur leurs adversaires qui seront obligés à faire des fautes inutiles. Après beaucoup d'occasions ratées, il fallait attendre tout juste la 45e minute pour voir nos juniors ouvrir le score par Bintou Diarra. Mi-temps 1-0 pour le Mali. De retour sur le terrain, de nouvelles dispositions seront prises par le Zalang National Junior de la Guinée équatoriale qui va même rater des occasions nettes. Mais à la 86e minute, les Équato-Guinéennes vont égaliser par Camila Germain. Un but partout. À une minute de la fin, c'est-à-dire à la 89e minute, l'espoir de la Guinée équatoriale sera brisé par Bintou Diarra qui signe son doublé. Score final 2-1 pour le Mali. Côté malien, les consignes ont été respectées. Et les consignes que nous avons données aux enfants, les joueurs se sont donné la main, ils ont bien joué entre elles et puis voilà qu'on a gagné, malgré le changement de l'équipe adverse. Merci beaucoup les Maliens de la Guinée équatoriale parce que depuis que nous nous sommes venus jusqu'aujourd'hui au stade, c'est des gens qui ne sont pas restés à la maison. Ils sont toujours avec nous, ils nous soutiennent dans tout ce que nous sommes en train de faire. On leur remercie et on leur dédie la victoire que nous avons faite ici, à eux d'abord et ensuite au peuple malien d'ici jusqu'au Mali. Cette équipe malienne a des atouts. Bon, l'équipe malienne, c'est une bonne équipe. Je crois qu'ils sont jeunes et ils peuvent arriver loin. On espère que
doit le laisser travailler. Et seulement ça, c'est une bonne équipe. Pour le président de la section football féminin, il faut encore du travail pour pouvoir mettre une bonne équipe féminine en place. Bon, on va continuer à redoubler d'efforts. On considère que rien n'a été fait parce qu'on a un programme déjà convaincu. Et avec l'encadrement technique, nous allons continuer à travailler. Et on a un long chemin à parcourir. Et ce chemin, on y arrivera s'il plaît au bon Dieu. Et il n'y a rien de spécial à faire que de continuer à travailler. Ainsi donc, les Aiglons footballeuses se qualifient au deuxième tour et rencontreront la République démocratique du Congo qui a battu le Cameroun. La prochaine vague sera donc de nos Aiglons, la République démocratique du Congo qui a éliminé le Cameroun. Jeu d'échec à présent avec cette remise du matériel par l'ambassade de la Russie à la Fédération malienne du jeu d'échec. La cérémonie a été suivie par notre reporter Aljuma Tinado. Voici le compte-rendu. À travers cette cérémonie symbolique, l'ambassade de Russie apporte un appui considérable à la Fédération malienne du jeu d'échec. Du jeu d'échec, c'est le don de matériel offert par l'organe diplomatique russe au Mali. Ce geste témoigne davantage la bonne coopération malino-russe dans plusieurs domaines. Ce geste amical vient peut-être s'ajouter à cet élan de soutien et de sympathie vis-à-vis du peuple malien. C'est un bon début et nous pensons que ça va être un bon exemple aussi pour d'autres sociétés russes, pour le business russe, pour qu'ils viennent ici. Je suis satisfait qu'on a pu faire au moins quelque chose pour soutenir le Mali, pour soutenir le mouvement sportif malien, pour soutenir la jeunesse malienne qui en a besoin sans doute. Cette donation de l'ambassade découle de la générosité des GPB Global Resources, une société aurifère russe affiliée à la firme Gazprombank Group et qui s'apprête à s'implanter chez nous. On tient beaucoup à ce que nous soyons bien reçus, comme on l'a toujours été du temps de l'Union soviétique. Et pour nous, il est très important et pour nous, c'est toujours un plaisir de voir des gens qui avaient étudié en Russie, qui avaient été entraînés ici au Mali par des professeurs ou bien par des entraîneurs russes. Et ça nous permet, ça nous donne un confort de plus. Et on tient à ce que ce confort soit toujours là et on tient à ce que nous soyons toujours les bienvenus au Mali. La fédération vient d'être renouvelée il n'y a pas 5 mois. Donc, nous avons beaucoup de problèmes. Et ça, ce don va participer à la résolution de ce problème. Et c'est très important. Le geste est très important. C'est un jeu, c'est démontrer. Le sport en général, c'est important pour la formation de l'homme. Les échecs en particulier, c'est très important. Surtout que nous, nous voulons descendre au niveau des écoles pour faire de la formation de masse. Avec ces matériels, la Fédération malienne des jeux d'échecs peut espérer d'entreprendre la vulgarisation de la discipline, surtout en milieu scolaire. En sport de masse, l'actualité de la semaine a surtout été dominée par des rencontres de football rentrant dans le cadre du 8 mars, Journée internationale de la femme. Suivons quelques résumés des rencontres. À l'instar des autres pays du monde, le Mali a célébré le 8 mars, Journée internationale de la femme. Pour ce grand événement, l'Académie d'enseignement de la Rive Gauche, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, a organisé 2 matchs de football féminin. Cette première édition de la Coupe scolarisation des filles, appelée SCOFI, est parrainée par l'honorable Niaga Tembeli, député à l'Assemblée nationale. Au départ, 8 CAP et 13 établissements secondaires de la Rive Gauche. Dans un premier temps, le CAP de Djelibou en blanc était face à celui de Bozola en bleu. Après le coup d'envoi du ministre Salikou Sanogo, les filles du CAP de Djelibou plus en jambe ouvrent le score d'un tir à ras de terre par Maïmouna Diara Dit Sadioum. La gardienne de Bozola n'est pas sans reproche sur ce but. Mi-temps, 1-0 pour le CAP de Djelibou. À la reprise, le CAP de Bozola sous la houlette de l'international Bassira Touré ne parvient pas à égaliser. Au contraire, ce sont les filles de Djelibou qui vont aggraver le score en signant un autre but par Aïssata Lama. Score à la fin, 2-0 pour le CAP de Djelibou. Désormais, le football féminin occupe une place de choix dans les écoles. Oui, bien sûr, le football féminin peut apporter beaucoup de choses. Le sport en général
fait partie intégrante de l'éducation, de ce que nous devons faire à l'école. Le football féminin, c'est d'abord la scolarisation des filles, pour montrer que les filles aussi peuvent jouer au football comme les garçons. Ça va nous enlever pas mal de complexes, encourager les filles à aller de l'avant, à avoir plus de confiance en elles-mêmes. Le deuxième match fut le match le plus spectaculaire, avec une pléiade d'internationales juniors des deux côtés. Le lycée Luc Auguste Sangaré de l'Hippodrome en blanc et le lycée Dramane Diallo de Sébénikoro en bleu ont montré un football technique à la hauteur. Le public du stade Mamadou Konaté a pu apprécier, mais les deux équipes ont manqué de réussite durant tout le match. C'est fort logiquement que le tableau affiche le nul vierge. C'est à l'épreuve des tirs au but que le lycée Luc Auguste Sangaré a le dernier mot en s'imposant 3-2 pour le lycée Dramane Diallo. Peu importe le résultat, le sport et la scolarisation des filles sont des facteurs clés dans le développement d'une nation. La femme peut s'épanouir comme l'homme. Donc, on a donné beaucoup de définitions à l'égalité, c'est vrai. Il s'agit de comprendre simplement que dans son corps, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Non seulement physiquement, intellectuellement. Organiser un tel tournoi constitue une marque de considération et de promotion du sport dans les écoles. Quand tu regardes dans le monde entier maintenant, qu'est-ce qui marche? Parce qu'on est en train de lancer ça parce qu'on avait oublié ça. Mais maintenant, on est en train de reprendre pour que les gens sachent aussi, les femmes aussi peuvent faire quelque chose. En tant que les hommes. Et bientôt, ils vont organiser une Coupe du monde féminine. Donc alors là, de manière à ne pas rester en marge. Donc vraiment, je suis très content quand même de dire que maintenant, les filles aussi, on a pensé à ça. Et donc, je suis là, chaque année, je parraine. Des diplômes de participation ont été décernés aux quatre équipes finalistes et aux anciennes footballeuses. Les vainqueurs ont reçu chacun un trophée plus 50 000 francs CFA et les vaincus une somme de 25 000 francs CFA. Voilà, maintenant, nous partons maintenant à Sikasso. Nous vous transportons justement sur plus de 300 km. Pour retrouver le meeting de la capitale du Kédougou, un meeting auquel on prépare près de 300 athlètes en 10 minutes. Isaac Thierry nous fait le résumé du meeting de Sikasso. Sikasso, la capitale du Kédougou. Ils sont environ 300 athlètes venus de toutes les régions du Mali, en plus de 10 districts. Le stade Babemba Traoré est le théâtre de cet événement sportif. Sur la piste, les rivalités se passent sur les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 1500, 5000 mètres, 10 000 mètres, les concours de javelot, de saut à longueur et de poids. D'ores et déjà, les autorités de Sikasso pensent à l'appropriation de cette fête sportive. L'organisation de cet événement permet ainsi à la ville de Sikasso de témoigner sa reconnaissance au président du bureau de la Fédération malienne d'athlétisme pour ses efforts inlassables à la recherche d'une solution durable au problème de financement de l'athlétisme. Je voudrais demander à toutes les autorités ici présentes de conjuguer leurs efforts pour s'approprier de ce meeting du Kédougou afin de l'inscrire dans les traditions du Kédougou. La capitale du Kédougou, qui a donné à ce pays plusieurs athlètes, et dont certains sont encore sur la piste, fait la fierté de la Fédération malienne de la discipline qui ne peut que penser à cette région pour son programme de développement. Quoi de plus normal pour nous que de venir vous confier, honorabilité de Sikasso, les championnats cadets de la zone 2 à Koutchala, la réunion d'athlétisme du Kédougou à Sikasso et bientôt, les 12 et 13 mai prochains, les journées mondiales d'athlétisme à Bourouni. Compte tenu de ce potentiel existant à Sikasso et de notre ambition de rehausser l'image de l'athlétisme malien, qu'en plus des compétitions prévues dans votre région, la Fédération malienne d'athlétisme a entamé également des démarches pour que la piste d'athlétisme du stade Babemba Traoré reçoive un revêtement synthétique appelé tartan afin que de grandes compétitions internationales puisse s'y tenir comme il se doit, car Sikasso le mérite bien. C'est sous le regard du chef de l'exécutif régional, entouré de plusieurs autres personnalités politiques et administratives de la ville, que se passe la compétition. D'entrée de jeu, l'idée de record est écartée compte tenu de l'état de la piste.
au 100 mètres dames, Djerebou Danté au départ se bat pour conserver son titre de championne de l'épreuve. Après un faux départ, la sortie de certains blocs se fait avec réussite. Pas de surprise à l'arrivée, Djerebou est la première à franchir la ligne d'arrivée avec un chrono de 12 secondes 17 centièmes. Elle est suivie de Aminata Djagité et Hawa Diarra avec respectivement 12 secondes 44 et 12 secondes 51 centièmes. Sur les messieurs, la course s'annonce serrée. L'objectif de chacun des concurrents est de battre Sekou Diassana, intronisé au roi des sprints ces dernières années. Diassana respecte son rang et est le premier à arriver. Son chrono est de 10 secondes 48. Il est de l'AS Police, tout comme Djenebou Danté. Deuxième, Garam Koulibaly, 10 secondes 72. Et Mamadou Camara, 10 secondes 89. 400 mètres dames. La course est aussi tactique comme à l'accoutumée. Le peloton est plus ou moins groupé. Il faudrait attendre le dernier virage pour connaître la favorite. À l'arrivée, Khadija Camara est en tête avec une performance de 1 minute 2 secondes 54 centièmes. La seconde place est occupée par Moussa Dia Camara avec un temps de 1 minute 3 secondes 26 centièmes. Safia Traoré termine en troisième position avec 1 minute 3 secondes 57 centièmes. Du côté des messieurs, sur cette même distance, la compétition a concerné deux séries. Une série B remportée par les Tirio Alfredine Tamboura, Sanusi Camara et Idrissa Keita. Les chronos sont respectivement de 52 secondes 29 centièmes, 53 secondes 28, 53 secondes 68. La série A a été celle de surprise. Tous les concurrents ont reçu leur départ. Mamadou Koulibaly, Amadou Boukoum et autres sont suivis de près. La course reste serrée, chacun avec sa stratégie. Difficile de pronostiquer au troisième virage. Le dernier n'est pas très décisif. Et c'est sur la dernière ligne droite que Diakhaté Bamba sort la tête et remporte la course dans la surprise générale. Le jeune Sikassois s'impose avec un chrono de 50 secondes 28 centièmes. Mamadou Koulibaly est deuxième avec un temps de 51 secondes 44 centièmes. Et Amadou Boukoum boucle le tiercé avec une performance de 51 secondes 88 centièmes. En course de demi-fond et de fond, la compétition a été très disputée. Au 800 mètres réservé seulement aux dames, la course n'a pas mis du temps à se décanter. Oumou Diarra, après le premier 100 mètres, se détache du peloton et mène la course. À l'issue des deux tours de terrain, cette athlète de l'USFAS arrive en tête avec un temps de 2 minutes 23 secondes 44 centièmes. Cheta Sanogo suit de près avec un chrono de 2 minutes 26 secondes 48 centièmes. En troisième position arrive Abi Bamba. Son temps est de 2 minutes 30 secondes 20 centièmes. Pour ce qui est des 1500 mètres qui a concerné que les hommes, elle a été aussi disputée. Le champion du Mali et détenteur du record de la distance, Ali Abibé Moussa, est bien présent. Il s'installe en tête une fois le coup de starter donné. Une course pourtant très serrée. Tout se disputera sur les derniers 100 mètres. Finalement, Ali Abibé Moussa est battu à l'arrivée par Ousseini Alassane avec une performance de 4 minutes 19 secondes 85 centièmes. Deuxième, Ali Abibé, 4 minutes 21 secondes 52 centièmes. Et enfin, en troisième position, Aruna Kayantao, 4 minutes 22 secondes 22 centièmes. En course de fond, si les 5 mm sont dominés par Bamou Diallo, qui a coiffé au poteau la championne sur la distance, Sitambouaré, cette course des hommes est menée par Djibril Sogodogo, qui règne depuis un certain temps sur la distance. Il est arrivé après 34 minutes, 16 secondes, 34 centièmes. Jean Djamoutené occupe la deuxième place et Lassana Galmé boucle le tiercé. Ce meeting, comme son nom l'indique, c'est un meeting de sélection. Sélection veut dire les meilleurs de Bamako, les meilleurs des régions se sont retrouvés à Sikasso pour faire ce meeting sur invitation. Donc l'aspect technique pour les techniciens en première position, c'est le respect du timing. Timing, c'est-à-dire le programme unité. Ça a été conforme à ce que nous avions fait. Le déroulement des épreuves, nous ne pouvons pas parler de performance vu la piste encendrée, l'état de la piste, mais c'est la rivalité qui nous intéresse, la rivalité que nous avons cherchée, et nous avons reçu un résultat dans cette rivalité. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas toujours que c'est les mêmes champions que nous voyons. Nous voulons une concurrence. Nous voulons des menaces, et c'est ce que nous avons reçu cet après-midi. Ce n'est pas une déception.
Aujourd'hui, au 400 mètres plat, nous avons constaté que les champions ont terminé difficilement la course et nous avons, si je me permets de le dire, la surprise veut dire qu'un gros outsider qui a été premier, si je me permets de parler ainsi. Donc, les aspects techniques, je crois que ça a bien marché. Nous voulons cette menace au niveau de ceux qui se croient toujours champions pour que demain, qu'ils se disent « Ah, je dois travailler. Si je ne travaille pas, je serai menacé. » Comme nous l'avions vu aujourd'hui. Donc, c'est un point d'interrogation qui s'est posé à ce niveau et c'est ce que nous cherchons. En ce qui concerne les concours dans les épreuves de poids, hommes, Djibril Doumbouré remporte la première place avec un jet de 13,469 m. Il est suivi de Abdourahmane Maïdara avec 13,01 m. Et puis Bouya Keïta occupe la troisième place avec 12,84 m. Pendant que Nakane Koulibaly continue de régner sur le poids d'âme. En saut à longueur d'âme, victoire de Cissé Tungara avec un bond de 5,42 m. Elle est suivie de Maïmouna Bagayogo 4,92 m. Et en troisième position, Aminata Bagayogo 4,60 m. En ce qui concerne les messieurs, c'est Alou Traoré qui occupe la première place. Il y reçut un bond de 6,49 m. Mohamed Diarra arrive en deuxième position avec un saut de 6,35 m. Et enfin, Baba Traoré, 6,32 m. La compétition a pris fin avec la course de 200 mètres. En ce qui concerne les dames, la course est intéressante. Djerebou Dante est encore intraitable. Elle s'impose avec un chrono de 22 secondes 31 centièmes devant Aminata Djagité et Safiatou Konaté. Ces deux ont enregistré respectivement un temps de 26 secondes 47 et 27 secondes. Enfin, chez les hommes, après un départ reçu, c'est dans le virage que les choses se déterminent. Sekou Diassana se montre intraitable et s'impose avec une performance de 28 secondes 48. Deuxième, Mamadou Diané, 28 secondes 70. Et Adama Bagayogo boucle le tercier avec un chrono de 22 secondes. Une compétition appréciée à sa juste valeur par le premier responsable de la région. La région de Sikasso regorge beaucoup de potentialités en matière d'athlétisme. Cette rencontre permettra quand même de promouvoir l'athlétisme au niveau de la troisième région. Donc la rencontre, c'est non seulement un facteur de cohésion entre la jeunesse du Mali, mais un facteur également de promotion de l'athlétisme en général. Cette réunion de Sikasso a été marquée par une remise de paires de euros au cadet par Save the Children. Aussi, une belle compétition de test pour une meilleure participation dans les prochaines compétitions. Voilà, c'était donc Isaac Chenou pour justement nous faire revivre ce meeting de Sikasso. C'était samedi dernier dans la capitale du Kénédougou. Nous partons maintenant pour le sport de masse dans un groupage à travers nos différents reporters qui ont suivi Bamako et ses environnements. Le 8 mars, journée internationale des femmes, est célébrée partout dans le monde. Chez nous, les femmes fonctionnaires et ménagères sont accompagnées par leurs maris et chefs de service pour commémorer cette fête dédiée à la femme. La journée du 8 mars représente pour nous, et comme pour tout le monde entier, une journée de consécration, de l'émancipation et du développement de la femme. S'il y a un moyen de fêter cette journée de la femme, c'est tout simplement de lui faire faire ce sport que tout le monde aime tant et qui n'est pas pratiqué par autant de femmes. C'est pour cela qu'on a choisi le football. Pour rendre la fête plus belle, la direction de la gendarmerie nationale a organisé une rencontre de football entre une sélection des trois premières promotions du personnel féminin de la gendarmerie nationale et l'équipe de la dernière promotion. Cette rencontre présente sera sanctionnée par 7 buts, 4 buts pour la sélection des trois premières promotions en bleu contre une formation sensationnelle de la nouvelle promotion avec 3 buts. Des réalisations de Fatmata S. Traoré 2 fois et Aïchata K. Traoré. Le 5e but des bleus sera raté sur penalty. La sélection des 4 promotions du personnel féminin de la gendarmerie nationale ont reçu des enveloppes. Le trophée est enlevé par la sélection des anciennes promotions vainqueurs 4-3. C'est
C'est dans le but de rendre un vibrant hommage à la femme malienne à travers le sport, plus précisément le football, que l'honorable Wali Diawara a profité du 8 mars, Journée internationale de la femme, pour organiser ce match amical. Cette année, la Journée internationale des femmes est dédiée notamment à l'intéressement des femmes en général à la vie politique. Mais nous savons aussi que le mouvement national des femmes du Mali a décidé de le faire dans une certaine retenue, de le faire dans une réflexion au regard de ce que notre pays vit aujourd'hui. Donc le sport est un élément aujourd'hui qui est de plus en plus encouragé dans le pays, dans tous les sens. Mais le football féminin, je souhaite qu'on y mette un accent de plus. Le FC Amazon de Bulkasumbugu est face au FC Santoro ici en orange. Les Amazones l'emportent 3-0. Aminata Diaby a ouvert le score dès la 11e minute. 1-0 en faveur du FC Amazon. Ce score nous conduit à la pause. À la reprise, même son des cloches, Pintu Sinayogo et Yarari Koulibaly vont respectivement signer les 2e et 3e buts du FC Amazon. Nous pensons que tout doit être pérennisé un jour. Le sport féminin, ce n'est pas la première fois qu'on s'occupe de cela, mais essayer de le faire pendant effectivement les journées qui consacrent l'émancipation des femmes, peut-être qu'on va essayer de marier ces deux éléments et pérenniser cela. Ce n'est pas tout à fait la première coupe, mais en termes de coupe du député ou en termes de coupe tout juste d'un citoyen qui veut que le sport féminin se développe dans la commune, dans le Mali, je crois que ça va se pérenniser, Inch'Allah. Cette rencontre a non seulement été un match amical, mais permis aux deux formations de mieux préparer le championnat féminin de football du district de Bamako. C'est toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Nous allons rester à Bamako pour suivre un autre événement sportif concernant les femmes. Le compte rendu, c'est avec Boubou Diallo. Pour maintenir la cohésion et l'entente entre les couches féminines du quartier de Samé en commune 3 du district de Bamako, ces braves femmes ont mis à profit la Journée internationale de la femme pour organiser ces matchs de football. C'est l'avant-goût du 8 mars. Vraiment, nous sommes toutes contentes. Parce que ça veut dire que les femmes de Samé sont unies. Vraiment. Bon, je salue nos enfants et nos sœurs. Sur le terrain, l'équipe des femmes mariées affronte celle des célibataires en blanc. Les jeunes célibataires mis en jambes trouveront l'ouverture du score au quart d'heure du jeu par Assanatou Koulibaly. 1-0 à la mi-temps. Cet avantage d'1-0 sera jalousement conservé par les célibataires jusqu'au coup de sifflet final. En tout cas, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Tout simplement, c'est le quartier qui en sort gagnant avec cette belle initiative des femmes de Samé. Une originalité qui doit inspirer plus d'un. Voilà, nous partons maintenant à Kalabankoura, où plutôt Ali Matina a assisté à ce qu'on appelle la Coupe Alliance Sirium. Nul n'est censé ignorer les dangers qu'engendrent certaines maladies comme le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose. L'éradication de ces pathologies passe par une synergie d'action. Une bonne stratégie de communication en vue d'un changement de comportement. Voilà la vision de l'Alliance CEDEAO, une structure humanitaire sous-régionale créée en 2003. Avec cette finale de football féminin, l'Alliance CEDEAO pense avoir trouvé un meilleur créneau de sensibilisation. Pour nous, le football représente un moyen efficace de lutte contre le paludisme et le VIH-Sida. Parce que le football, pour nous, c'est un moyen de véhiculer les messages à travers le pays et dans la sous-région. Et encore marraine Aïssata Sissé Château, députée à l'Assemblée nationale, cette finale oppose le centre de formation Mamadou Touré au lycée Mama. Au terme de la rencontre, ce sont les bleus ciels du centre de formation Mamadou Touré qui s'imposent 3-1. Elle s'offre ainsi la coupe et plusieurs autres cadeaux. L'équipe perdante est également récompensée. À celle-ci s'ajoutent les distinctions individuelles. A noter que l'Alliance CEDEAO est composée de sportifs, d'artistes, des hommes des médias. Elle est conseillée par des médecins spécialistes.
Voilà, c'est vrai que cette semaine, la part belle, en tout cas sur le plan sportif, a été faite aux femmes qui célébraient justement la journée internationale de la femme. Nous partons maintenant à Koulikoro, où l'on va certainement retrouver et c'est le travailleur qui n'est pas prêt certainement, et si c'est le travailleur n'est pas prêt,